Alors, est-ce qu'on peut raisonner seulement par rapport au premier? Il faut bien relire la question. C'est calculer le temps que doit attendre le dernier fragment. Donc, est-ce qu'on va multiplier ça par le nombre de paquets? Il faut revoir. Alors, bon, j'essaie de répondre pour laisser les autres réfléchir. Alors. À qui je n'ai pas répondu? Non, moi j'ai répondu à tout le monde. Alors malheureusement, Zoom m'annonce déjà que le temps est passé. Hein? Donc on relancera, quand il va s'arrêter, on relancera la réunion. J'essaie de programmer en parallèle notre réunion pour vous envoyer maintenant le lien, mais il refuse de faire ça. Maintenant, Pas grave. Hein? les autres enseignants, madame Malfini, relancer la même réunion. J'aurais dit, il va la redémarrer. Le même lien. Oui, le Oui. même lien. Très bien. Alors, d'autres propositions? Donc, comment on va calculer le temps de transmission d'un paquet, plutôt? Comment on va calculer le temps que doit attendre le dernier fragment? Le dernier fragment, il est là, il est dans le premier nœud. Il doit attendre quoi? Il doit attendre tous les fragments qui sont avant lui, qui soient sur le lien. D'accord? Mais si qu'ils soient arrivés à l'extrémité ou là, l'essentiel, ils sont sur le lien. Là, il y a le premier fragment qui est sur le lien, le deuxième, etc. Donc, ce qu'on appelle le temps de transmission. Donc, on va commencer par calculer le temps de transmission d'un paquet entre deux nœuds. D'accord? Parce qu'on a des nœuds intermédiaires. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il soit sur le premier lien. Très bien. Qu'est-ce qu'il me faut comme données pour calculer le temps de transmission? La distance, le débit ou la bande passante. Est-ce que j'ai besoin de la distance? Oui, madame, la distance, c'est la fois. باش نعرف شحال يدير الوقت بوغ اتر سور لو ليان. Oui, madame, parce que la distance, قد ما تكبر, قد ما le temps, il s'est. راك تقول لي بلي لازم تكون عندي لا ديستانس اي فوز افي ريزون قد ما تزيد لا ديستانس قد ما الوقت يزيد بصح بوغ اريفي او دوزيام نو
Oui, donc la distance entre Alors le qu'on premier a et le le temps de deuxième. transmission, chalider, on a le temps de chalider le paquet pour être sur le lien et non pas pour traverser le lien. Ah, d'accord, ça, donc c'est pour sortir Est-ce du que vous nœud. voyez la différence? Exactement. Et donc là, à vrai dire, j'aurais besoin du débit seulement, la capacité. Oui. La capacité où je trollais. Trollé blé, elle est égale à une certaine valeur. Ils n'ont pas donné, là, c'est juste des formules, mégabits par seconde. Donc, un certain nombre de mégabits par seconde, de mégabits, pardon, sera transmis par seconde. Et donc, la taille du paquet. Donc, pour connaître la taille du paquet, qu'est-ce que j'ai comme données? On a le nombre de fragments, la taille de l'entête ou la taille du message. Le nombre de fragments, c'est-à-dire le nombre de paquets. Je Oui. voulais dire. Très bien.